Hello à tous, alors je sais que ça faisait longtemps, mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tutoriel. Je sais qu'aujourd'hui sur les walls, sur YouTube, vous retrouvez très très peu de vidéos tutoriels. Bah, c'est tout simplement, étrangement, parce que c'est l'essence même, je pense, des youtubeuses beauté, mais pourtant quand on publie ce genre de vidéos, c'est très peu populaire puisque vous préférez tout ce qui est vlog ou des choses comme ça, parce que je pense que vous êtes des petits curieux. Donc là aujourd'hui je vous propose un maquillage comme vous avez pu le constater, n'est-ce pas, dans les tons bleu. Donc j'ai commencé par appliquer sur ma paupière une base noire qui est tout simplement le liner de chez ELF. Ça me permet d'unifier ma paupière. Ensuite j'applique à l'extrémité un bout de scotch pour délimiter les contours de mon maquillage parce que sinon ça va faire tout cracra. Je prends donc un brin de taupe que j'utilise déjà sur le contour de ma paupière et vous allez voir finalement, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de flouter parce que je trouvais que ça faisait trop de différence de teinte, donc finalement j'ai flouté toute ma paupière et je me suis même dit que ce serait une super technique pour faire un smoky soft. Et du coup je continue en rajoutant un petit peu de noir, je fais ça 2-3 fois, histoire de vraiment trouver, on va dire, le smoky fumé parfait. J'aurais pu m'arrêter là finalement, mais bah voilà, je voulais un smoky, enfin si on peut appeler ça un smoky, je sais pas vraiment le nom que porte ce maquillage, mais je voulais du bleu. Donc je prends ma palette Bad Girl de chez Sleek que j'adore, et je dépose donc un bleu roi à l'extrémité, donc à la fois au coin interne et au coin externe de mon œil, et je laisse bien sûr le milieu libre. Bon, pour éviter qu'il y ait justement cette démarcation au niveau du pli de ma paupière, eh ben j'estompe encore une fois. Là en l'occurrence, j'ai pas remis quoi que ce soit sur mon pinceau. J'utilise mon restant de taupe et je floute juste au niveau du bleu. Voilà, donc là, il faut pas avoir peur parce que c'est sûr que cette couleur elle fait un peu flipper. Mais j'utilise en fait un bleu turquoise mais mat. Parce que c'est vrai que je trouve ça juste super joli. Alors après, il faut réussir à le travailler parce que ça peut faire un peu clown. Je l'utilise vraiment au centre. Et je prends donc de ma palette Sweet Chocolate un bleu un petit peu plus discret qui reste un peu dans les tons turquoise pour cette fois-ci estomper, on va dire, le pli palpébral, n'est-ce pas, de ma paupière. Donc comme vous pouvez voir, ça fait un espèce de dégradé et je finis par travailler tout ça au doigt pour essayer de ne pas faire de vieilles démarcations entre les teintes qui fassent un peu dégoûtant. Je nettoie un petit peu les bords de mon œil avec un blanc mat, comme vous pouvez le voir, et je retire les bouts de scotch. D'habitude, lorsqu'on s'attaque au bas de l'œil, on va utiliser exactement les mêmes couleurs que ce qu'on a pris sur la paupière, c'est-à-dire qu'on va mettre le foncé en dessous du foncé, le clair en dessous du clair. Bah là j'ai décidé que je ferais autrement parce que je voulais justement faire de mon rat de cils quelque chose d'un peu plus pétouille, donc j'ai utilisé le turquoise au coin interne et le bleu plus foncé au coin externe et j'intensifie le bleu foncé en utilisant le liner Lazuli de Lime Crime que je repasse par-dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est un bleu roi mais sublime. Comme le rat de cils a toujours tendance à un petit peu à faire un petit cracra en dessous de l'œil et ça a tendance à s'estomper au fur et à mesure de la journée et je voulais vraiment conserver une intensité au rat de cils, je me suis dit qu'utiliser un liner par-dessus ce serait idéal. Et bien sûr, j'ai utilisé un crayon noir pour la muqueuse inférieure et supérieure. Donc là, je mets mon mascara préféré. Et je crois que si je pouvais dormir avec, je dormirais avec. C'est le Marc Jacobs qui est génial. Je le trouve sublime. Et puis en rouge à lèvres, il fallait quelque chose de soft, hein, forcément. Donc j'ai utilisé le Brave de MAC qui est en ce moment un de mes rouges à lèvres préférés. Je sais, un rose, mais il n'est pas tout à fait pétouille et il est juste super mignon. Et voilà! J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis et si vous le reproduisez, surtout taguez-moi sur vos photos sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !